matin, en communion de pensée et de prière avec les fidèles du diocèse de Paris et de la France tout entière, bouleversée par le dramatique incendie qui a ravagé hier soir la cathédrale Notre-Dame. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai trouvé la vie. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. En ces temps difficiles, je voudrais ce matin dire aux prêtres mon admiration et mon estime pour leur engagement, pour le don qu'ils ont fait de leur vie, de leur personne, pour leur investissement sans retour au service du peuple de Dieu. Et je voudrais surtout les inviter à l'espérance en se mettant toujours davantage à l'écoute de la parole de Jésus. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. En cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à chacun d'entre nous, voulez-vous devant votre évêque et le peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez donnés? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en restant fidèle aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons d'un abondance. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle
et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Sanctifie et bénis cette huile. Fais que cette église destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répondent la bonne odeur d'une vie pure.